Un artisan métallurgiste, en fait, c'est celui qui va faire l'objet à partir du minerai de fer. Donc, il va maîtriser l'ensemble des étapes de fabrication du métal. Donc, il a la connaissance et sait le faire. Mais tout ça, à l'origine, c'est plein de métiers différents. C'est-à-dire qu'on avait le mineur, on avait le charbonnier, on avait le ferron-fèvre, celui qui transforme, qui affine le métal, et à la fin, le forgeron. Et c'est lui qui va transformer au bout du compte, à la dernière étape, l'objet, soit en objet, en couteau, en outil, en hache. Voilà, donc c'est ça l'artisan métallurgiste, c'est celui qui maîtrise l'ensemble de ce savoir-faire-là, alors qu'au Moyen-Âge, bah, en fait, on faisait qu'un seul métier. On était à plusieurs et il n'y avait jamais personne qui faisait tous les métiers à la fois. Découvert un petit peu ce domaine-là par hasard, tout simplement parce que j'ai fait des études universitaires très classiques, j'ai commencé à habiter en ville, avoir un boulot métro-dodo qui ne me plaisait pas du tout et je voulais quelque chose de beaucoup plus en rapport avec la nature et je voulais travailler de mes mains parce que je dessine depuis toujours. Et j'avais besoin d'utiliser un peu cette forme artistique qui est le dessin à la base pour développer mon univers de travail de tous les jours au final. Et c'est comme ça que j'en suis venue au travail du bois, parce qu'en fait c'était une matière qui était accessible pour moi, que je pouvais récolter directement à la suite de tempêtes, etc. Donc c'était vraiment quelque chose que je pouvais avoir tout de suite. Et j'ai commencé à bricoler un peu comme ça, et de fil en aiguille, je me suis formée, j'ai rencontré des artisans, et j'ai développé un peu mon univers comme ça. Je me suis formée un peu toute seule et en rencontrant d'autres personnes, quoi. Ben, alors, à l'origine, ce n'est pas spécialement les couteaux, hein, c'était le mobilier métallique funéraire, donc tout ce qui est objet métallique retrouvé dans les dépôts funéraires, dans les tombes. Parce que avant, les tombes, les gens étaient inhumés avec le mobilier de tous les jours. Vous avez leurs bijoux, leurs couteaux, leur étui à aiguille. Et à partir de ça, on pouvait déterminer son statut social, déterminer comment il était placé du coup, dans la société, les métiers qu'il avait. Donc, le forgeron était enterré avec ses outils, par exemple. Et à partir de ça, du coup, ça m'intéressait au niveau histoire des hommes, de savoir comment ils travaillaient, comment ils vivaient, ce qu'ils avaient comme objet. Et de reproduire ces objets, je trouvais ça chouette. Ce que représente la sculpture et le travail du bois, c'est vraiment le travail avec l'arbre, en fait. Parce que pour moi, le bois, ça part d'un arbre, ça part d'un être vivant, en fait, un végétal, qui a poussé, qui a une histoire. Et donc, je travaille une matière vivante. Et donc, chaque pièce va être unique, parce que chaque morceau de bois va être unique. Et je vais essayer de développer quelque chose autour de ça, autour des nœuds du bois, autour des veines du bois, de la couleur, parce que même si c'est la même essence de bois, je travaille diverses essences, mais même la même essence de bois, même le même morceau de bois, va finalement avoir des teintes différentes en fonction de l'endroit où je vais prendre tout ça, où je vais choisir, vraiment faire une sélection pour créer ma pièce comme ça. Donc c'est vraiment ce travail-là qui m'intéresse, cette sensibilité, cette relation avec la matière brute. Et puis surtout, faire des pièces qui sont éthiques et écologiques, donc une traçabilité sur les matières, sur le bois, sur les aciers, qui soient le plus écologique possible. Et pas de sous-traitance à faire venir, je sais pas, de l'ivoire de mammouth qui détruit le permafrost et qui exploite le yakout. Voilà, il y a plein de matières qui ne sont pas éthiques et ça je m'interdis en fait. Même si les gens m'en commandent, je refuse la commande parce que je veux faire un travail artisanal qui soit éthique et écologique. En fait, je ne travaille pas du tout avec des bois issus de la déforestation. Ce sont des bois principalement qui viennent de Normandie, de coupe d'élagage, de chute du travail de mon compagnon, du coup, qui est forgeron coutelier, qui donc fait des manches de couteau en bois. Donc j'essaye aussi de revaloriser ce bois-là. Donc voilà, c'est vraiment ce travail avec l'arbre. Donc j'ai ce côté un peu brut de la matière, de l'artisanat pur, et j'ai tout ce côté artistique aussi. Parce que du coup, je fabrique beaucoup de bijoux, de pièces de décoration. Donc ça va être ce côté, voilà, travailler avec les courbes, les formes, et les volumes. Pour fabriquer une lame, les grandes étapes, ça va être, une fois que le métal est fabriqué, on va partir donc d'un lingot, et ce lingot-là, on va devoir le mettre en forme à chaud, le marteler, on va devoir mettre en forme la pointe du couteau. Ensuite, on va étirer par martelage, par écrouissage à chaud, le morceau de métal. On va étirer le tranchant, donc on va élargir la pièce, affiner le tranchant au martelage.
et ensuite on va y tirer ce qu'on appelle la soie, donc c'est la partie qui rentrera dans le bois, où on fait la mise en forme sur l'enclume, au marteau, et à la fin, une fois qu'on aura cette pièce-là, on aura le brut de forge, qu'on va pouvoir ensuite mettre en forme, polir, enlever le surplus de matière, les parties qui sont endommagées, par la, enfin, les creux qui sont causés par la calamine, une oxydation qui se fait lors de la chauffe. Et donc une fois que la pièce est toute propre, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le traitement thermique. Donc on monte la pièce à température de trempe. Donc ce qui va se passer dans le métal, c'est que ça va permettre de créer des liens de carbone entre les molécules, et on va figer cet état par un refroidissement brutal. Et après, on a une étape, ce qu'on appelle le revenu, qui permet de détendre le métal pour qu'il soit moins cassant, parce que la trempe aura durci le métal, mais elle n'aura pas donné d'élasticité. Donc le revenu, on le monte à température pendant quelques heures, ça va être entre 180 et 300 degrés, ça dépend de l'acier utilisé. Et ensuite, on fait le polissage, l'affûtage, et là, la lame, elle est finie. Et ensuite, on doit passer au travail du manche, couper l'arbre, faire sécher le bois, le débiter en planche, le lissage prend plusieurs années, sélectionner les parties intéressantes, ensuite couper le bloc qui servira à faire le manche, et ensuite ajuster les pièces entre la lame et le manche, poncer le bois et jusqu'à faire la patine, la finition, le polissage. Alors on va bien évidemment donc avoir le dessin, une grosse phase de croquis préparatoire. Ça va être au début voilà, des jets sur le papier, beaucoup de tests pour une différente pièce. Après, je vais venir plus précisément dans le geste au niveau taille réelle en fait, pour faire mon dessin sur du papier millimétré, vraiment avec du matériel de dessin bien précis. Et après, on va faire passer ce dessin, je vais le reproduire sur une pièce de bois que j'aurais au préalablement choisie. Donc j'ai un grand temps de réflexion autour de ma sélection de bois. Quel bois je vais utiliser, un bois plus dur, un bois plus tendre, quelle essence, quelle couleur. Donc voilà, c'est tout ça, c'est important pour moi. Parce que je vais aussi parfois incruster des perles d'argent, je vais parfois incruster des pierres fines qui sont éthiques ou revalorisées. Donc voilà, donc ça va dépendre un petit peu du choix de couleur entre la pierre et le bois, par rapport aussi à ce que ça représente. Donc je vais avoir tout ce choix-là. Ensuite, je vais partir sur le croquis sur mon bois, que j'aurais donc poncé au préalablement. Ça va faire une forme de plaquette. Je vais découper mon tronc. Je le mets en forme de plaquette. Et après, je vais entamer la sculpture. L'étape que je préfère dans la réalisation d'un couteau, c'est la révélation de son manche, de la révélation du bois. C'est-à-dire qu'on va le tremper dans une huile. Donc moi, j'utilise une huile qui est composée de sève de bouleau, de sève de pin du Nord, d'huile de lin et d'alcool de bois, donc qui vient de Laponie. Et en fait, à ce moment-là, on va avoir toutes les flammes du bois qui vont se révéler. Il va y avoir des ondées, des côtés nacrés, soit selon le type de bois, hein, ça varie selon le bois. Et c'est là qu'il y a toute la magie du manche qui apparaît d'un coup après ce bain. Il va y avoir un moment bien précis dans la réalisation, ça va être les finitions. C'est vraiment ce que j'adore, c'est le moment où la pièce commence à prendre un petit peu son essence, elle commence à prendre du poil de la bête, on commence à voir qu'elle est en train de naître, c'est un peu une naissance un peu symbolique. Donc où je vais commencer à voir un petit peu la tête qu'elle va avoir, parce qu'au final, quand je travaille mon bois, il y a des nœuds, il y a des veines, je le travaille brut, et une fois que je mets mon bois dans l'huile, là il y a tout qui va se révéler. Et finalement la pièce, elle va un petit peu se détacher de mon contrôle, parce que il y a des choses qu'on ne contrôle pas, notamment le rendu de l'huile sur le bois. Donc c'est vraiment ce côté un peu révélation, ce côté un peu surprise qui me plaît beaucoup. Et vraiment toutes ces petites finitions, ce moment où on accorde le plus de soins possible à une pièce pour qu'elle soit le plus parfaite possible. Bien sûr, la perfection n'existe pas, mais voilà, pour qu'elle ait le rendu et qu'on a envie. C'est vraiment ce côté-là. Et la deuxième chose, ça va être le retour de mes clients. Ça fait partie complètement de mon travail. Et alors, on n'a pas toujours des retours. Parfois, on envoie des choses, puis on ne sait jamais. Quand ça ne va pas, je pense qu'on le sait. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir aussi quand les gens nous font des retours et qu'on voit un peu l'émerveillement dans les yeux. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ils se filment en train de déballer, ils nous envoient des photos de quand c'est des bijoux portés, quand c'est des décorations, ils les accrochent chez eux.
Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir pour moi parce que ben, j'apporte quelque chose aux personnes, en fait, parce que je ne fais pas un métier extrêmement utile. Mais il y a ce côté, je donne un peu d'amour et de beauté, hein, c'est un peu poétique, mais bon, je suis un peu dans un univers poétique. Donc voilà, j'essaye de donner un peu de positif dans le monde et c'est ma façon de le faire. Et quand j'ai des retours, c'est vraiment une de mes parties préférées, en tout cas, de mon travail. Dans la forge, l'état d'esprit, il faut être zen, il faut être vraiment en harmonie avec la matière. On travaille avec elle et pas contre elle. Donc on guide le métal, il ne faut pas être arrivé dans l'atelier énervé, il faut vraiment être calme. C'est un moment qui est reposant, hein. Ce n'est pas un métier de brut comme on peut le penser. Il faut vraiment guider le métal. Il est chaud, hein. il a plus de 800 degrés, hein. C'est comme du chewing-gum, hein. Donc il n'y a pas besoin de taper comme un bourrin, hein. Ça ne sert à rien. Donc on guide la matière, on la met en forme, il faut être patient et détendu. Ouais. Je vais travailler beaucoup en musique parce que j'utilise peu de machines en fait électriques, donc il va vraiment y avoir un silence environnant et j'aime beaucoup m'accompagner de musique, donc ça va être vraiment des ambiances un peu des musiques de jeux vidéo, des musiques de films, je vais être un peu bercée par ça et je vais aussi penser à toutes mes inspirations. Je suis beaucoup inspirée par le 19e, par le pré-raphaélisme, par l'art nouveau, donc ça se voit pas forcément toujours sur mes pièces, mais voilà, il y a un peu tout ça qui vient dans mon esprit à ce moment-là, notamment au niveau des arabesques. Il y a le côté un peu baroque, enfin voilà, j'ai un peu un mélange d'histoire, de nature et de méditation, on va dire, quand je sculpte. Alors je viens de sortir une nouvelle collection qui s'appelait La botaniste de l'équinoxe, donc c'était pour le printemps évidemment. Donc en général j'essaye de présenter une collection par mois, donc je travaille tout pendant le mois et je montre un petit peu les étapes de réalisation. Et il y a une journée en fin de mois où je vais faire ma vente sur ma boutique sur Internet. Le mois d'avant, c'était les animaux, le côté sauvage. Ça s'appelait le mois d'avant, c'était le réveil du sauvage. Donc c'était des animaux. Et là, c'était vraiment des plantes. Je voulais vraiment donner ce côté printemps, renouveau, toutes les plantes qui poussent, toutes les fleurs qui ressortent. Parce qu'il y a vraiment toute une symbolique derrière chacune de mes pièces. Il y a une histoire. Chaque pièce sur mon site internet est accompagnée de son histoire, de sa symbolique, etc. Alors, une démarche éco-responsable, c'est, dans mon cas, ça va être montrer qu'on peut être artisan, avoir son entreprise et limiter son impact environnemental. Par le choix de ses matières, par le choix de son éthique, en refusant des commandes qui n'y correspondent pas. Essayer de travailler dans la limitation de l'impact, ne serait-ce que pour les expéditions, hein, tout bêtement, utiliser des emballages en papier recyclé, éviter le plastique, éviter des emballages qui sont pigmentés, colorés avec des encres. Qui sont toxiques. Enfin, voilà, essayer de, on ne peut pas faire 100% parfait, mais au moins petit à petit aller vers quelque chose de plus éthique, de plus écologique, de plus vert et de limiter vraiment son impact d'entreprise sur l'environnement. Et à partir du moment où, en tant qu'artisan, on peut prouver qu'on y arrive à vivre de son métier tout en faisant des efforts au niveau de la planète, c'est sûr, ça demande du travail, de la recherche. C'est plus difficile que de se laisser porter par le système. Mais au bout du compte, on essaie de prendre soin de la planète pour nous, mais pour ceux qui y seront après. Faut pas être égoïste. Puis si on veut encore voir des oiseaux, des animaux, ce serait bien de prendre soin de la planète. Alors au niveau des choix de matière, la base principale de mon choix, ça va être vraiment le côté environnemental. Je veux vraiment des matières qui aient le moins d'impact possible sur la planète. Donc ça va vraiment être ça, la base de mon choix, ça va vraiment être des bois. C'est beaucoup de temps de travail, hein, de rechercher des bois dont on est sûr de l'origine en fait. Donc qu'ils soient de Normandie le plus possible. Donc voilà, j'ai un gros travail autour de ça. Et après, les bois, ça va être en fonction de la dureté. Donc il y a des bois qui sont plus durs, le noyer, le buis, ça va être des bois assez durs. Donc on va pouvoir travailler en précision. Alors pour choisir un matériau, ma démarche, ça va être déjà soit je vais couper le bois moi-même pour la partie bois, soit je travaille avec un ami qui est ébéniste. Donc là, je vais revaloriser des chutes de bois qu'il n'utilise pas pour faire ses plans de travail de cuisine ou faire des pièces de commandes qu'il a.
Voilà, il y a aussi, j'ai un ami qui est lagueur et lui, il va aller me couper des loupes qui sont, quand il va faire du nettoyage sur des arbres ou il y a des arbres qui sont tombés, donc il va me récupérer des parties de bois intéressantes, donc qui vont avoir des jolis veinages. Donc là, ça permet de recycler des bois et moi d'avoir une traçabilité sur chaque bois, savoir d'où ils viennent. Après, sur les aciers, je vais travailler principalement avec les aciers des aciéries Sandvik en Suède, qui font de gros efforts environnementaux, qui vont récupérer la chaleur de la production de l'acier pour créer de l'électricité, pour alimenter les villes voisines. Ils vont recycler au maximum leurs aciers plutôt que d'en produire de nouveaux. Enfin, il y a un gros travail environnemental là-dessus. Et après, quand je vais coller le bois et le métal pour assembler les différents éléments, je vais utiliser soit des colles naturelles comme le Bray, qui sont une colle obtenue à partir d'écorces de bouleaux calcinés. Donc ça, c'est un archéologue qui me les fabrique. Et sinon, je vais travailler avec une biorésine principalement, donc une résine qui est fabriquée à partir d'huile de tournesol et de sève de pin. Donc c'est une résine d'époxy renouvelable, du coup. Donc ça va se développer avec le temps, mais ça permet de travailler avec quelque chose qui est plus propre pour la nature. Alors pour moi, le lieu de travail est très important. J'ai vraiment un cadre de vie qui est naturel. On a le potager, on a la forêt à côté. On a une petite rivière, on a des champs tout autour de nous et c'est vraiment important parce qu'au final je vais travailler les fenêtres ouvertes le plus possible, j'ai besoin d'une lumière naturelle importante donc je pourrais pas être en ville en fait avec des immeubles qui me cachent la lumière, ça serait pas possible avec le bruit des voitures et puis je m'inspire complètement du jardin en fait, de la forêt, des promenades qu'on fait mais aussi vraiment beaucoup de notre jardin. Et je ne pourrais pas travailler dans un cadre autre que celui-là, quoi. Qui est un cadre créatif aussi, en fait. Ça développe toute ma créativité. Je travaille beaucoup aussi pour en apprendre plus autour des plantes. Donc ça fait complètement partie de mon travail de sculptrice aussi, en fait. J'ai vraiment un lien qui se crée entre le jardin, mon environnement et mon cadre de travail et mon travail en lui-même, quoi. Mes couteaux, en fait, c'est une histoire qu'ils ont. Ce que je vends, c'est pas un simple couteau. Les gens, ils veulent acheter un couteau, ils vont acheter un couteau à 5-10 euros, et puis voilà, ils ont leur couteau. En soi, voilà, c'est pas la même démarche. Dans mon travail, c'est la fabrication de la base, de la matière. J'allais couper l'arbre, faire sécher le bois, forger entièrement la lame, penser entièrement la lame. Il y a une histoire sur l'origine de la forme de la lame. Les gens peuvent la personnaliser. Même s'ils ont un bois de leur enfance, du jardin du grand-père ou autre, ils peuvent me l'envoyer, je peux utiliser le bois. Enfin, il y a vraiment une attache entre le client qui va me commander un couteau ou même quand je fais un couteau, il y a une histoire autour. C'est pas juste un objet, c'est un morceau de ma vie et c'est du temps de ma vie que j'ai mis dans la création d'un objet utilitaire qui sera utilisé dans la vie de tous les jours. Alors, je travaille complètement en binôme avec mon compagnon, qui est donc forgeron coutelier. Alors on a deux ateliers séparés, on est sur le même lieu de travail, mais lui il a sa forge qui est vraiment dans un bâtiment séparé, une vieille grange, et moi j'ai mon atelier dans les combles de la maison. C'est vraiment une symbiose de travail parce que je vais lui couper le bois, les arbres, lui préparer le bois, elle va récupérer mes chutes, si elle me demande de faire des petits éléments pour l'aider dans son travail, je vais lui préparer, je vais lui faire ses outils, forger ses couteaux de sculptrice. Je travaille beaucoup sur la communication de nos deux ateliers, donc c'est moi qui vais gérer les réseaux sociaux, les photographies, etc., nos deux sites internet. Donc elle fait plus que pour moi que moi je fais pour elle, parce que c'est pareil pour les stages, elle aide pour la cuisine et tout. Donc pour l'accueil, et c'est vrai que du coup, ouais, je suis plus la force brute et elle gère beaucoup. Mais évidemment, on est tout le temps en train de se donner des astuces, en train de s'entraider. C'est vraiment, c'est assez merveilleux à ce niveau-là parce que c'est fructueux en fait. Il y a vraiment une dynamique de travail quand il y en a un qui a un petit coup de mou, l'autre qui le rebooste. C'est très intéressant à ce niveau-là. Entre nos deux artisanats, bois et métal, c'est vraiment chouette et puis on a plein d'idées aussi donc, pour dire tiens on pourrait faire ça et puis on se pousse en fait. Alors il faudrait que tu améliores ça, c'est vraiment, on se tire vers le haut tous les deux. Alors je propose, alors malheureusement avec le Covid ça s'est un petit peu arrêté, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, mais alors je prends pas beaucoup de monde, mais des petites sessions d'accompagnement et de développement d'entreprises d'artisans. Dans tout ce côté justement communication. Ça va être vraiment ce côté apprendre à valoriser son travail, tout en restant authentique,
et à donner ce côté pas uniquement marchand en fait à son site internet, mais à vraiment parler de soi et essayer de donner une âme un petit peu à ce côté vente-produit, parce qu'on ne vend pas des produits, on vend des pièces uniques. Et il y a une façon de les présenter et voilà, j'aide un petit peu les gens qui ont envie de développer ce côté-là à faire pas pareil que moi, mais en fait dans leur univers, là, on va essayer de développer un peu leur thématique, de trouver comment ils peuvent développer tout ça et parler de tout ça sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vais essayer aussi de les accompagner sur un petit peu le côté aussi administratif, un peu rébarbatif de notre travail. Mais ça va être surtout mise en scène photo, comment parler de soi, quels mots-clés utiliser, quel hashtag utiliser sur les réseaux sociaux. En fait, ce côté que moi j'ai appris grâce à mes études et que j'ai envie de transmettre aux autres artisans, parce qu'il y a plein de gens talentueux et qui n'osent pas trop se lancer parce que justement ils ne savent pas comment démarrer en fait. Alors je propose différentes sessions Forge, donc j'ai mis en place ça depuis quelques années. C'est divisé en plusieurs blocs, donc les sessions découvertes c'est plutôt découvrir, forger à mes côtés un couteau. Donc de 1 à 3 jours, donc les gens vont soit en cadeau de départ en retraite, d'anniversaire, un week-end entre potes ou en couple, vont forger, réaliser un couteau, des bijoux à mes côtés. Donc je suis là pour guider et puis pour prendre la main s'il y a des moments où il y a des petits écueils où c'est un peu difficile. J'ai beaucoup de gens qui en ont marre du travail à la ville, qui m'arrêtent, ils sont dit, bon, c'est bon, je sature. Ils se rendent compte que OK, ils ont accès à tout, mais justement, surtout en période de Covid, ils se rendent compte qu'ils n'ont accès à rien. Plus de cinéma, plus de restaurant, tout. Pourquoi les gens ont signé pour être en ville, ils l'ont plus. Et donc ils se disent, en fait, la campagne, c'est pas mal, mais j'aurais devenir artisan. Ou j'ai rêvé quand j'étais petit de travailler la matière, puis j'ai pris une autre voie, donc dans le souhait de se reconvertir aussi. Mais c'est aussi, je les conforte aussi dans la situation, mais aussi... Je les cajole pas non plus, je suis derrière eux, je leur dis faut y aller, faut taper dans la butte et puis faut pas lambiner quoi, c'est pas un métier où on se lève à 11h, faut être dans l'atelier tous les jours. Alors à la base j'ai fait des études d'anthropologie culturelle et sociale, une licence et un master en communication et médiation culturelle et artistique. Et en fait j'ai changé parce que je me rendais compte que je faisais ça en pensant que j'arriverais jamais à vivre de mes propres productions artistique et artisanale, jusqu'au jour où j'en ai eu marre et où je me suis dit si je vais essayer, je suis jeune, c'est le moment de tenter l'aventure. Ce que j'ai fait, j'ai très bien fait de le faire, parce que je suis très contente. Mais oui, évidemment, en fait, ça m'aide constamment, je me le dis tous les jours d'ailleurs, heureusement que j'ai fait ça, parce que comme je travaille principalement sur Internet, j'ai appris à utiliser un appareil photo, j'ai appris à utiliser Photoshop, j'ai appris à utiliser les mots en fait pour pouvoir communiquer avec les gens. Donc maintenant on est obligé d'être des artisans 2.0, connectés et puis avoir une présence sur Instagram, sur Facebook, pour ne serait-ce que pouvoir montrer aux gens que l'artisanat existe et qu'on existe. Parce que sur les expositions, même en physique, on touche qu'une partie de la population qui fait la démarche d'aller sur une exposition des métiers d'art. Je vais utiliser Instagram comme un blog, vraiment pour parler de mon quotidien et de notre quotidien en tant qu'artisan et en tant que tout ce qui va autour, en fait, le jardin, toute ma démarche écologique, notre quotidien autour du bien manger, bien cultiver ses légumes. En fait, pour moi, l'artisanat, c'est global et ça va inclure toute une démarche de local. Et c'est important pour moi de le transmettre aussi aux gens qui me suivent parce que voilà, j'avais envie un petit peu de développer mon univers, la personne que j'étais et que les gens voient un peu les dessous, le derrière le rideau de l'atelier, mais aussi de tout ce quotidien qui m'inspire finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut travailler de ses mains, on peut travailler en étant en harmonie le plus possible avec la nature, on peut la respecter et on peut développer une activité économique viable et qui reste quand même moderne, parce qu'on pourrait voir les métiers manuels comme quelque chose de pas moderne, mais en fait si, on est complètement dans l'air du temps, il y a un regain d'intérêt pour l'artisanat et le fait main parce que c'est de la qualité aussi, c'est de la pièce unique. Et il y a aussi un changement de mentalité au niveau des générations. Il y a eu la génération travail du tertiaire et puis là on est peut-être dans une génération qui était partie pour le tertiaire et puis qui se rend compte que l'artisanat c'est chouette, ou travailler de ses mains, ou créer quelque chose, ou avoir une envie de transmettre quelque chose de plus solide.
et moins d'immatériel. Donc il y a un passage là-dessus. Donc, finalement, en fait, les réseaux sociaux, c'est ma vitrine à moi. Ça me permet de raconter un peu plus mon histoire, de faire un petit peu des petites mises en scène aussi, de montrer un petit peu mes inspirations, de montrer les livres que je lis, etc. Tout cet univers-là qu'on ne pourrait pas montrer finalement en exposition. La communication et puis le fait d'être sur Internet, c'est indispensable maintenant parce que bon, bah là, je suis dans un petit village où il y a à peine 90 habitants, donc c'est sûr que ce n'est pas là où je vais vivre de mon activité, donc il faut être mobile. Et le fait d'avoir la présence en ligne, ça permet d'être visible sur l'ensemble de la planète. Et donc de pouvoir travailler en étant de chez soi, même en haut d'une montagne perdue, alors que là, dans cette période où il n'y a pas d'exposition, bah, si on n'avait pas de présence en ligne, on n'aurait pas de salaire en fait du tout. Donc on travaillerait pour faire du stock, sans rémunération derrière. On a un projet en commun avec mon compagnon et ma maman du coup. C'est qu'on est en train de se délocaliser. Là, on est dans la Manche pour l'instant, en Normandie, et on redescend un petit peu dans l'Orne. On vient à peine de trouver un terrain là, parce qu'on voudrait créer un écolieu qui serait centré autour de nos trois ateliers, mais complètement en relation en fait avec le département. Ça va être un endroit où il va y avoir une petite forêt, plan d'eau, il y a une ruine à restaurer. Donc là, on a les clés du terrain et on attend les autorisations pour avoir les permis de construire et on va construire un nouvel atelier tout en bois, plus écologique possible, maison en bois et puis restaurer la petite maisonnette en pierre. Et d'un potager, d'un jardin des simples, d'un parcours autour des plantes sauvages comestibles, il y aura une petite mare pour parler un peu de la biodiversité et des écosystèmes et de l'importance de la préservation de tout ça. Et pour montrer qu'on peut faire travailler trois entreprises au même endroit tout en respectant l'environnement et en le valorisant en fait parce qu'on voudrait mettre en place des actions de protection, vraiment faire un laboratoire expérimental en lien avec la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, pour faire des observations des oiseaux, observations des insectes, essayer de refaire un peu revenir la vie sur ce terrain. Et créer vraiment un écolieu où les gens, quand ils viendront forger ou chercher une commande, bah, ils puissent voir un endroit reposant et puis même rentrer dans cet univers qui est déconnecté un peu. C'est vraiment un lieu où ça sera transmission des savoirs, sensibilisation autour de savoirs anciens mais qu'on utilise encore aujourd'hui, donc découverte de ces métiers manuels et découverte de la nature environnante et de l'importance de préserver tout ça. Alors, un conseil pour les gens qui veulent se lancer dans l'artisanat Alfema, il faut se lancer en fait en soi. Si on a une envie de créer, faut tenter au pire. Le pire qui puisse arriver, c'est de ne pas réussir. Mais en soi, la vie est faite d'échecs et de réussites. Mais à partir du moment où on le fait avec notre cœur et avec passion, il n'y a pas de raison que ça rate. Et être patient, parce qu'au début, on a des résultats pas très encourageants, mais il faut persévérer en fait, persévérer. Il faut s'investir beaucoup, beaucoup dedans, c'est sûr, hein, c'est pas facile, mais l'artisanat, il y a toujours eu des potiers, il y a toujours eu des maroquiniers, il y a toujours eu des forgerons, des sculpteurs, des ébénistes, donc en soi, c'est pas des métiers qui vont disparaître du jour au lendemain, hein, ça fait des centaines, des milliers d'années qu'ils existent et ils continueront après est-ce qu'on veut en faire partie ou non, est-ce qu'on veut tenter l'aventure. Après, l'idéal, c'est de faire des sessions, d'initiation, des stages auprès de divers artisans. Voilà, ça permet déjà de voir si on a envie, si on a envie de se lancer et puis de toucher la matière. Ça permet déjà d'approcher la chose pour peut-être se lancer dans un projet après.